بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة واصيلا. يقول مولانا: وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله؟ آية التالية: هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ Est-ce que c'est soi-disant associés à Dieu, où sont-ils? Où sont-ils? Ils ne sont pas, ils n'existent pas. Et même s'ils existent, ils ne peuvent pas vous secourir, parce que il n'y a que le Verbe divin, il n'y a que les ordres divins qui opèrent en ce moment-là. Et s'ils ne peuvent pas vous secourir, il y a autre vérité qui ne peut pas se secourir. C'est-à-dire, ils n'ont aucune force, aucune énergie, parce qu'ils n'existent pas. Aucune énergie, aucune volonté, ni pour vous secourir, ni pour qu'ils soient secourus. Et qui va les secourir? C'est pas Dieu. Dieu va les, s'il existait, doit les maltraiter, les violenter, les maudire, etc. etc. يقول مولانا: من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون. معنى الغاوون هم اللي ديبرافي les extrémistes dans le sens du mal, dans le sens du faux témoignage. Et qu'on m'a dit, il faut que vous fiez, hum ou l'gaoun, que vous avec l'arbab al-maz'ouma, ou l'gaoun ma'a hum. Yani, quand on mette le mauvais jeune, yani, on peut nous faire chaka al-mu'assirin al-hum. اللي يتوجدوا معهم في نفس الحقبة. من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون. C'est-à-dire ces soi-disant divinités, des faux dieux, ils seront précipités dans la géhenne, le brasier, les uns sur les autres. Vous voyez la force divine. Et les prend, même s'il existait. Et les prend et les jette dans le brasier, dans le, au fin fond. Au fin fond, parce que ce sont des leaders du mal, leaders du mensonge, à l'endroit de Dieu. Et qu'on fait coupe qui vous fie à homme ou le gaoun. Donc, précipitation, que ce soit des faux dieux et des dévergondés, dépravés. Il dit Mawlana, au genou de Blis, à Ajma'un Kadalika, il y a l'armée de Blis, celui, cet être-là, le ignorant numéro un, et il se considère comme le penseur et le savant numéro un. Alors que lorsque Dieu lui a ordonné de montrer une valeur ou une considération à notre père Adam, que la paix d'Allah soit sur lui, tous les anges, excepté lui, ont acquiescé, ont salué notre père Adam, que la paix d'Allah soit sur lui. Donc, en définitive, Satan, qui se considérait le premier savant, a été démasqué lorsqu'il a refusé d'obtempérer à l'ordre d'Allah. Et c'est lui qui est le fondateur du racisme, parce qu'il a
il a dit à notre Créateur unique, Allah, Jalla Jalal wa Amma Nawalu, كيف أنا أسجد لمن خلقت طينا؟ Tu l'as créé, cet Adam-là, de par l'argile. Et moi, tu m'as créé à partir du feu. Selon son raisonnement qui est distordu, il se considère comme meilleur que notre Père, donc il ne va pas le respecter, le saluer. Et Dieu lui a infligé un jugement, un verdict ultime qui sera chassé de cette place-là qui est toute proche de Dieu, c'est-à-dire le paradis. Et aussi nos deux parents, Adam et Ève, que la paix d'Allah soit sur eux, ont été, chassés. C'est pourquoi on dit maintenant le paradis perdu. C'est pas, pour nous, il n'est pas perdu. Parce que nous sommes sûrs que nous serons les hôtes du paradis. Donc on doit attendre le verdict divin lors du jugement dernier. والسلام علينا أمة محمد عليه الصلاة والسلام وعلى إخوانه الكرام.